Salut à tous, c'est Vinsky et c'est Arsène. J'espère que vous allez tous bien derrière votre écran. On relance une série. Beaucoup de gens ont demandé est-ce que ça va revenir un jour, etc. De toute façon, avec la barre de pouce bleu, je verrai directement si vous kiffez ou pas le retour des défis techniques. Allez, je relance aujourd'hui et pour un événement spécial qui s'appelle la Coupe du Monde. Cet épisode 1, je pense que vous l'avez compris, c'est l'équipe de France. Normal, chaque épisode, il y aura un joueur du Vinsky FC et un pays, ok? Avec à chaque fois l'origine du joueur du Vinsky FC. Alors, quoi? Là, il y a un petit souci. Là, il y a un bug 404. Arsène, il est d'origine néerlandaise. Néerlandaise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la Hollande en Coupe du Monde? 404 not fun, je pense qu'on peut dire. Malheureusement, ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Il a représenté du coup la France pour le premier épisode. Alors, le concept, il est très simple. Ce joueur du Vinsky FC doit me lancer des défis. 1, 2, 3, on s'en fout, ok? C'est lui qui choisit. Il va devoir le réaliser avec moi. On va essayer de le faire. Et ensuite, ce sera à vous, chez vous, avec vos caméras, avec vos téléphones portables, d'essayer de réaliser le défi le mieux possible. Et le gagnant de ce défi technique recevra le maillot de l'équipe de France. Parce que là, c'est l'épisode d'équipe de France. De son choix. De son choix. Domicile extérieur, la taille qu'il veut. C'est lui qui choisit. Donc, Vinsky m'a demandé de prendre quelques petits défis. J'en ai choisi deux. Le coup franc de Dimitri Payet face au Cameroun. C'est un coup franc un petit peu éloigné. Poteau rentrant. Une très belle frappe. Ah, c'est fou. C'était un match amical. 90e minute, il marque. Ouais. Ouais, il était un peu excentré sur la droite. Il est droitier. Il fait une frappe côté gardien. Poteau rentrant en lucarne. Enfin, c'est exceptionnel. C'est l'un des plus beaux coups francs qu'on a vu en équipe de France. En tous les cas, ouais, je pense. On n'a pas souvent. On n'a pas souvent. On n'est pas les professionnels de Pogba au dernier match. Et ensuite, un défi un petit peu plus facile, mais compliqué à reproduire à la perfection. Ouais. La Panenka Zidane. C'est Panenka, transversal. Le ballon rentre. Et le ballon retouche la barre, il ressort. Si vous arrivez à faire exactement pareil, vous avez de grandes chances de gagner le défi. Si vous mettez un gardien, vous avez des bonus, on va dire. Voilà, si vous mettez un gardien, c'est encore plus réaliste. Si vous n'avez pas de gardien, vous pouvez quand même envoyer vos vidéos. Avec la tenue de la France là. Un plus ça en précision là avec le maillot. J'aime bien les coups francs, j'aime bien les penalty. Je pense qu'il va être servi. Ok, c'est à moi de commencer du coup pour le coup franc de Payet. C'est un coup franc splendide. Pied droit, lucarne gauche. Ça doit aller en poteau rentrant. Je suis vraiment content, c'était très ressemblant ça. Alors dommage, c'est pas le poteau rentrant, mais c'est très propre. Bon, Arsène, t'en dis quoi? C'est pas mal quand même. Non, les gants, c'était trop grand, je peux pas. La balle que tu m'as mise dans le petit filet, vraiment imprenable. Elle était magnifique. Ouais. Il manquait plus que le poteau soit touché. Ça veut dire que chez vous, vous pouvez faire encore mieux. Quasiment comme moi, mais là, le poteau rentrant. Ouais. Je l'ai pas dit aussi, si vous êtes gaucher, on peut vous pénaliser. Vous faites le symétrique, hein. Je l'ai pas dit. C'est maintenant à toi de jouer. C'est lui le tireur, c'est moi le gardien. Les gants, je les mets pas parce qu'ils sont beaucoup trop grands pour moi. Ok. Pour la France, c'est parti. Dimitri Payet, je vais essayer de reproduire son coup franc à la perfection. Vince, il l'a vraiment bien réussi. Il manquait le petit poteau rentrant. Bah, on va essayer d'ajouter cette petite touche qui manquait et mettre le poteau rentrant et un coup franc magnifique. Let's go! Ça commence! Le cadre. Oui. Ah, oh, les photos. Ah, elle était belle. Elle était très belle. Un tout petit peu plus à droite et Dimitri Payet, t'étais bien représenté. On m'a dit quoi, c'est une poteau rentrant. Eh ouais, elle est pas rentrée. J'essaie de faire mieux que toi en mettant un poteau rentrant, mais j'ai juste mis une poteau au final.
Aucun rapport, non, pas de CR7. Dimitri Payet. Bon, j'ai pas réussi le coup franc, moi j'ai tapé le poteau. Toi tu l'as réussi, t'as marqué en lucarne. Ouais, voilà exactement. Un combi des deux et ça aurait été parfait. Et c'était bien, on a pas été loin de ce qu'il a fait Dimitri Payet. Ouais. Je pense que les abonnés aussi vont être super motivés du coup de faire la perfection. Et si je reçois un coup franc qui ressemble exactement pareil, il y aura de grandes chances qu'ils reçoivent ce maillot qui est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Blanc, j'ai même pas demandé, mais dites-nous si vous préférez le bleu ou le blanc. Oh, Kersen, tu m'as donné le défi du coup franc de Payet. On a quasiment t'étais réussi à 100%. C'était mieux que moi. Et maintenant, la Panenka de Zidane. En finale de Coupe du Monde 2006, face à Buffon, l'un des plus grands gardiens de tous les temps. Zidane, il tente quoi? Il tente une Panenka, mon pote. Qui fait barre, ça rentre, ça fait barre, et ça ressort. C'est fou. Zidane, tu peux pas faire mieux, c'est Zidane, tu peux le pas maestro. Au moins faire une barre rentrante en Panenka, ce sera déjà pas mal. Si un mec m'envoie la vidéo, parfaite. La barre, barre rentre, sort. Le maillot, il y a deux grandes chances que ce soit pour toi. Je me mets dans la peau de Gianluigi Buffon. Gianluigi. Le premier essai, elle est ressortie. Elle est ressortie. C'est bon. Mon premier essai, j'y arrive direct. Mais bon, pas totalement comme c'est dans la vraie vie, mais on n'était pas là non plus. Attends, du premier essai, il arrive. Panenka, la balle, elle touche la barre. Elle rentre. Bon, après, elle ressort pas en retouchant la barre, mais. Bah, elle est déjà parfaite. Hein. Elle est pas mal. Je crois que c'est les crossbars avec Ronaldo. Ça m'a trop entraîné à toucher la barre. C'est mon cerveau, il est trop chaud. Programmé. Allez, maintenant, j'en fais quelques-unes encore. Deuxième essai, il touche la barre. Ce type est fait pour les crossbars. C'est incroyable. Comme d'hab, Vince Kyle, il a mis le niveau très très haut. Ça va être compliqué de faire une PNK aussi bien que lui. On va aller montrer à Gianluigi le sang de Zidane. Elles sont pas trop mal pour l'instant, mais faut la barre rentrante de Zidane. Plus un crossbar. Bon, après, elle était vraiment trop sur le côté celle-là. C'est soit je marque, soit je touche la barre, mais ça rentre pas. Si Zidane était happé le taulier, finale de Coupe du Monde 2006. Technique. Bon, Arsène, c'est terminé. Alors pour la Panenka, on fait un petit débrief. J'ai été le plus proche parce que encore, j'ai mis une Panenka barre en France. La balle sort, mais elle sort pas directement. Bref, on est très loin de ce qu'il faut réaliser normalement pour faire le défi parfait. Comment participer? C'est la grande question, Arsène. Sur Twitter, Instagram et Facebook, sur le hashtag Défi Technique France. Toujours en horizontal. Et ce qui est super important, c'est aussi d'être original, d'être drôle. Si en fait vous êtes drôle, vous pouvez passer dans la vidéo. Voilà, il y aura pas tout le monde qui gagnera le maillot, mais il y aura beaucoup de gens qui passeront dans la vidéo de réponse. Dans les commentaires, dites-nous le prochain pays que vous voudriez voir. C'est un pays que vous êtes qualifié en Coupe du Monde. Je peux donner à tout le monde, hein? Comme fils des pailles. T'es formé, c'était pas. Attends. C'était Vince Cash, c'était Arsène. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Peace and game, ça c'est bien. Le foot, c'est vraiment mieux. Ok. Le pouce bleu, les commentaires, c'est important. Pouce bleu, commentaire, c'est important.